Xavier Compin, je suis paysan dans les Côtes d'Armor. Je suis membre de la délégation vue avec ma fédération. Mon engagement de paysan, il est d'abord sur le terrain. Il est ensuite syndicaliste. Syndicaliste parce que la PAC, elle détruit aujourd'hui les producteurs. Il faut qu'on la réoriente. Mon engagement comme paysan et militant communiste, il est effectivement pour rémunérer les prix aujourd'hui, rémunérer le travail par les prix et pas avoir une politique qui fasse le dumping à l'ensemble de la planète. Et ben moi, j'attends trois choses. La première, effectivement, une ossature, des propositions qui donnent du neuf. Oui, par rapport à l'agriculture, il faut rémunérer le travail paysan. Oui, il faut une alimentation relocalisée. Oui, il faut des services publics dans la ruralité. J'attends effectivement, comme citoyen et comme acteur, comme militant engagé, du neuf, de l'espoir à gauche, que toutes les organisations qu'on a cherché à rassembler, j'ai essayé ce travail-là à mon niveau pendant les régionales, eh bien, il faut que ce travail-là soit possible en 2017. Et puis la dernière chose, ça ne se fera pas évidemment sans un parti communiste qui soit un parti communiste de lutte, un parti communiste révolutionnaire, pleinement d'ici, pleinement pour les paysans dans leurs bottes, dans la terre, mais avec une vision internationale.